Yo les gars, c'est Traki, j'espère que vous allez bien. Du coup aujourd'hui les gars, vidéo assez particulière parce que du coup c'est en vrai plusieurs vidéos dans une vidéo. Donc les gars, le concept c'est très simple, je vais faire 3 games les gars, seulement 3. Et si je meurs du coup au bout de ces 3 games, si je ne fais pas top 1, je devrais du coup raconter une anecdote. Donc les anecdotes c'est quoi? C'est la fois où j'ai failli mourir, la première fois où je me suis bagarré et la fois où je me suis chié dessus bien évidemment. Donc à chaque mort du coup ce sera voilà, donc je raconterai celle que j'ai envie. Du coup voilà les gars, on perd pas plus de temps, n'hésitez pas avant que ça commence. Traki bien évidemment, T-R-A-K-I sinon coronavirus. Enfin voilà les gars, on perd pas plus de temps et du coup on part directement pour la première game. C'est parti. Ok du coup les frères, pour la première je vais aller directement à Lazy. Voilà, je vais prendre un petit peu de risque quand même. C'est le but quand même de la vidéo, c'est quand même que je vous raconte les anecdotes. Du coup les gars, si je perds sur celle là je vous raconterai la première fois que je me suis bagarré. Inch'Allah je win hein, parce que franchement c'est pas très glorieux. En vrai c'est pas une... Bon c'est quoi, j'allais la raconter en plus, j'allais dire. Ouais machin, j'allais commencer à dire le contexte. On va voir si je meurs. Là on a quoi? On a rien, on a pistolet. Ok. Est-ce qu'on va le Rasengan directement? On va clairement le Rasengan hein les gars. Y'a un mec dans le bat je crois. Une carabine, ok. Il y a un mec dans le bat, mais il y a des mecs devant. Je vais aller fight les mecs devant. Ils ont l'air plus intéressants parce que le mec a l'air de se cacher là. Alors les frères, où est-ce que vous êtes? Faites pas genre vous êtes pas là parce que je vous ai entendu. Ok, il y a un mec là, juste là. Alors toi, la tête de ma mère. Ok, nice. Le premier kill qui est récupéré sur Luxa. Facile, hein, facile vraiment. T'es nul, gros. Y'a un autre mec. Il est par là, hein. Il est genre très très close. En vrai, je vais fight tout le monde, frère. Aïe. Non. Ok, il est blanc. Allez. Voilà, y'a un autre mec. Mais frère, ça va. Non, je vais mourir. Aïe aïe aïe, c'est quoi ça? Aïe aïe, je connais pas ça. Wesh, c'est quoi ça, frère? Oh, une grosse. Ok, nice, je vais essayer de survivre. Y'a un mec là. 63, il est mort, nice. On a un autre kill encore. On commence à être bien, ça, je vais le prendre. Ça, les gars, c'est trop trop fort en vrai. Quand t'arrives, tu tires en l'air et tu sais où ils sont. Là, t'as un mec là-dedans, pardon. Ah, t'as deux mecs même. Non, top 54, dommage. Bon bah les gars, la première malheureusement je vais vous raconter du coup. Je vais lancer une autre game et puis bah je vous raconte directement. Ok du coup bah je vais vous raconter l'anecdote. Du coup cette game aussi elle compte comme ça, c'est plus rapide comme ça. Du coup les gars, donc la première fois que je me suis bagarré c'était en primaire, donc c'était ma première bagarre, ma vraie première bagarre. Donc les gars, faut savoir que à l'ancienne, donc j'étais dans une primaire et j'avais un meilleur ami. D'ailleurs il s'appelait Anthony, grosse dédicace à lui. En vrai c'est pas un truc de ouf hein, mais c'est quand même une petite bagarre je trouve. En gros donc on jouait à chat, donc il y avait notre pote. En fait on était une espèce de bande, on appelait ça la bande. Et on était 6 ou autre comme ça. Et bref, là j'étais avec Anthony et un pote à moi. Donc on était trois. On jouait à trap-trap ou à chat ou t'appelles ça comme tu veux, je m'en branle. Bref, du coup en gros le but c'était de jouer et voilà. Et il y a un moment frérot où t'as vu il commence à, en gros il commence à rigoler. Donc faut savoir que moi en général quand j'avais des meilleurs amis, en gros moi quand j'ai des potes c'est en gros on essaye de s'humilier. Allez hop, ça merde, il a l'air d'être nul à chier hein. Voilà. Bref, et du coup on commence un petit peu à se taquiner, voilà, on se lance des piques hein clairement. Et il y a un moment où on commence à jouer à chat. Et gros il m'attrape la main pour Attends, prends-toi. Pourquoi tu vas niquer, t'es mort. Attention, les grenades là quand même faut faire gaffe. Allez hop, toi ça dégage, je sais pas comment il est mort. Je vais prendre son pompe. Oh y a la Chine, bah ouais. Allez, sale merde, va. J'ai même pas raconté mon anecdote gros, je vais pas mourir quand même. Il est 24 blancs, nice. Ok, ça dégage. Ok, donc du coup, je disais, on commence un peu à se taquiner. Et là, gros, il commence à m'attraper l'épaule, genre pour me toucher. Écoute, il m'a mis une patate de... Eh, mais toi, la vie de ma mère, toi. Oh, le bloom! Wesh, le bloom. Du coup, il commence à m'attraper la main, mais genre violent, tu vois. Du coup, les gars, qu'est-ce qui se passe suite à ça? Il se passe que il commence à mettre des croche-pattes, des trucs comme ça. Gros, il y a un moment, en gros, il m'attrape par la main, il me fait faire le tourbillon. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. En gros, il te prend par la main et il commence à te faire, je sais pas comment on dit, mais en gros, il te fait un petit peu danser. Bon, bref, en gros, il me faisait clairement la malade. Genre, il a voulu se moquer de moi. Il m'a jeté par terre. Il m'a pris, il m'a fait tourner, il m'a jeté par terre. Écoute, les deux, en plus, les deux, ils ont commencé à rire. Qu'est-ce qui s'est passé? Genre, il a commencé à se foutre de ma gueule parce que j'étais tombé. Écoute, mes yeux ils ont vu rouge, mais genre rouge sang gros, j'avais la haine, j'ai eu envie de tuer sa famille, de brûler ses frères, de boire. Ils ont commencé à se barrer, donc moi je m'étais cassé la gueule par terre, j'étais en plein milieu de la cour, genre ils m'avaient lâché, et gros j'ai eu une de ces haines. Écoute, ils ont commencé à se barrer, je sais pas où, dans un coin de la cour, ils étaient de dos, j'ai tapé un sprint gros, oh le Usain Bolt, mais il était dans mon corps frère, j'ai tapé un sprint de toute ma vitesse, j'ai genre, j'ai sauté, j'ai fait un espèce de high kick bizarre, je lui ai mis un high kick dans le dos, et il s'est cassé la gueule, et genre il y avait tout son visage qui était râpé le sol, tellement j'avais frappé fort, et gros écoute, je suis allé voir la surveillante, genre, il a comment, en fait genre, il se serait pas relevé, j'aurais rien fait. Écoute,
écoute, il s'est relevé, gros. Écoute, la surveillante, j'y suis allé en X-Max, gros. J'y suis allé, j'ai fait, oh frérot, il a commencé à me taper. J'ai commencé à faire la grosse poucave avant qu'il me casse la gueule. Du coup, voilà comment s'est fini ma première bagarre. Et c'est vraiment là où j'ai vraiment eu une envie de meurtre. Hein. Pour de vrai, non, en vrai, vous rigolez, mais j'ai vraiment eu la haine de ouf. Du coup, je vais finir la game tranquillement, je vais essayer de faire tapin. Ah, y a un mec devant, ok, je l'avais pas vu. Ok, les gars, du coup, le fight 6, 21, vas-y, toujours moins, vas-y, 0,5. Nice! Il avait quoi comme. Il avait pas grand chose, hein, lui. Oh, y'a un mec avec le grappin! Y'a un mec avec le grappin, les gars! Oh, allez, si j'arrive à le tuer, lui! C'est joué, hein. Ok, on va lui rasen un gun. Nice, il est broc! Il est. Ah, je suis mort. 100. Oh, la honte si je le tue! Mais je peux rien faire, gros! Vas-y, ça me casse les couilles. Ce jeu, il est nul, de toute façon. J'ai jamais aimé. Ok, du coup, les gars, pour cette dernière game, je vais aller spawn safe. Et du coup, les gars, je vais vous raconter. Attends, c'est quoi? C'est soit je suis mort, soit je me suis chié dessus. Les gars, je vais vous raconter la première fois que je me suis chié dessus, bien évidemment. Alors, c'était en art plastique. Non, en techno, c'était en techno. Bon, en fait, c'était un petit peu pareil, hein, quand même. C'était pas loin. Bref, donc j'étais en techno. En techno, c'est pour ça que ça passe, c'est une matière au collège. Et donc, c'était il y a ça 5 ans. Hein. En plus, j'étais en cours, mec. C'était. Oh, la honte. Oh, je me rappelle la honte. Par contre, bref, alors toi la vie de ma mère. Mais tu mets sur mon tour. Mais gros, t'es totalement ravagé celui-là. Bref, du coup j'étais en techno et tout. Et je sens, tu vois, que y a caca là. Là je sens qu'il faut que j'aille chier, parce que sinon je vais me chier dessus. Parce qu'en fait j'avais le caca mou, aka la chiasse. Bref, donc du coup j'ai un petit peu mal au ventre et tout. Je fais monsieur, y a moyen que j'aille aux toilettes. Il me lâche un non, tire après les cours. Bon, écoute, j'ai dit rien, tu vois, au début je dis rien, je dis vas-y, pas de soucis, je vais me retenir, bah je vais pas me chier dessus quand même pas, ça c'est pas possible, hein, je suis pas comme ça. Et là gros, je sens que je vais vraiment me chier dessus, je me dis, ouah, et je fais monsieur, j'ai vraiment mal et tout, faut que j'aille aux toilettes, je sais plus quoi, ce que bon, bref, je dis qu'en gros, faut que j'aille me vider le trou de balle, parce que là ça suffit, je peux pas tenir. Il me dit, non, mais la récré, ça a sonné depuis 30 minutes, t'aurais dû y aller avant, ce fils de chien, il me parle les chinois, vas-y gros. J'ai envie de chier, gros, tu me laisses chier tranquille. Bref, le mec il commence à m'énerver et tout. Bon bref, moi je peux rien faire parce que je suis trop concentré par ma merde que par lui. Bon bref, et il se passe que voilà, donc bah ça se passe et tout, au bout de 10 minutes, et là gros je sens. Je vois le bout de son crâne. Tu vois la merde, je voyais le bout de son crâne. Je faisais non frérot, là je vais me chier dessus, là c'est pas possible. Du coup ce que je fais, c'est que je me lève et je dis monsieur, je vais aux toilettes. Il me fait ouais, je sais pas quoi, tu iras voir la CPE, machin truc, malin. Je dis vas-y, je vais voir la CPE, y'a pas de souci. Voilà. Les gars, j'ai mon pote à moi qui m'accompagne, parce que je dis ouais monsieur, j'ai besoin au cas où. Que j'avais très mal au ventre. Je pensais que je vais aller mourir moi carrément. Et gros, j'étais en gros une troisième étage. Écoute, les escaliers, je les ai descendus 10 par 10 frère. What the fuck, hein, vraiment. Genre je me pétais les chevilles à chaque marche. Et les gars, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais genre à la première étage ou juste devant la toilette. Et là, donc là je me suis dit vas-y, je vais essayer de faire un petit prout, histoire que ça passe un petit peu. Écoutez, le petit prout. Voilà. Le petit prout, il y a eu le bout de son crâne qui est sorti, et ouais les gars, je me suis chié dessus, genre j'ai commencé à courir gros. Et bref, j'ai commencé à courir de toute ma vitesse, mais malheureusement il était trop tard. Je m'étais chié dessus déjà, et genre j'ai couru avec la main sur mes fesses. Et bah écoutez les gars, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que du coup bah j'ai dit que je m'étais chié dessus. Déjà tout le monde a rigolé, hein. Enfin tout le monde, en gros j'étais allé chez le CPE. Il y a des gens qui m'avaient entendu, ils se sont foutus de ma gueule. C'était déjà très gênant, hein, déjà. En plus que ça soit terriblement chiant, c'était très gênant. Et du coup qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah le CPE a appelé ma mère, et ma mère est venue avec un caleçon à la main. Du coup oh, je veux ce qu'il vient de mettre. Moi, s'il vient de mettre une balle de sniper là, gros. La vie de ma mère, que je vais l'arracher. 27, 20, 19, 42. Nice, 71, enfin. Et du coup, bah voilà, ma mère est arrivée avec un casson. Et c'est comme ça, la première fois que je me suis chié dessus. En cours et tout, frère. Archi gênant, hein, vraiment, les gars. Oh la honte! Du coup voilà les gars, la première fois que je suis dessus. Et du coup bah c'est parti pour finir la game. Et j'espère ne pas raconter cette dernière anecdote, parce que bah j'aimerais bien faire un top 1 quand même. Oh merde, excusez-moi, what? Oh yeah. J'étais parti me prendre un jus, et y'a un mec qui a découvert que j'étais dans le bush. Oh yeah. Attendez, c'est-à-dire que si je le fais, je suis le meilleur joueur de la planète, hein. Wouah, le laser! Comment c'est possible? Comment? Je suis mort. Non, j'ai pas envie de raconter la dernière anecdote, les gars. Non vraiment, ça me ferait chier. Par contre le laser qui vient de me mettre, sérieusement. Gros, ça tryhard, wesh. Donc du coup les gars, je vais vous raconter ma dernière anecdote. Donc si je vais faire ça rapide, comme ça je vais finir la vidéo. La dernière fois où j'ai failli mourir, en gros j'étais à la mer. Et j'étais vraiment petit, je devais avoir 4 ans. Et donc j'étais à la mer et tout. Et il y a un moment du coup où j'arrive devant la mer, ça se passe bien, tranquille, la famille, les parents et tout. Et il y a un moment où ma mère elle me lâche un peu de vue, et du coup je commence à aller dans la mer. Et là je sais pas pourquoi, mais j'essaie de nager très très loin. Et il y a vraiment une vague genre de, je sais pas, genre de 2 mètres je pense. Et elle m'a rasengan le crâne, et du coup je suis tombé. Et j'étais bloqué dans l'eau, genre je sais pas, c'était bizarre. Et du coup j'arrivais pas à nager.
et ma mère elle est arrivée en courant, elle a vu que je devais être en train de me noyer. Et je crois que j'étais à moitié évanoui. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai failli mourir les gars, la première fois que j'ai failli mourir. Sur ce les gars, c'était Traki, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire si vous voulez un épisode 2. Si vous voulez un épisode 2 les gars, bah voilà, je vous laisse liker et vous abonner. Sur ce les gars, c'est Traki, j'espère que vous avez... Ouais.